Nouveau tuto Football Live 2025. Aujourd'hui, on va parler scoreboard. Quand j'ai présenté Football Live, je vous avais dit que même de base, les scoreboards préinstallés étaient vraiment très bons. Malheureusement, il en manquait. Tous les scoreboards n'étaient pas présents. Donc, je vais vous montrer comment installer un pack de scoreboards pour la saison 2024-2025. Vous aurez tous les scoreboards, même les scoreboards de la Coupe d'Afrique, les scoreboards de l'Euro. Bref, vous aurez tous les scoreboards des différents championnats qui sont dans le jeu. Je vais mettre les deux liens dans la description, la première partie et la deuxième partie. Vous téléchargez les deux fichiers. Encore une fois, moi, je les ai mis dans le même dossier. Et voilà, comme ça, il n'y aura aucune erreur lors de la décompression. Vous allez double-cliquer sur la première partie, donc celle qui se termine par part 1. Vous aurez deux dossiers, vous allez les extraire. Donc là, l'extraction est terminée, on a nos deux dossiers. En temps normal, je vais vous demander de le copier dans le dossier de Football Life, mais il y a quelque chose que vous devez faire, donc vous allez dans Content. Ça va pas nous servir parce que ça apporte des bugs, donc je vais vous demander de le supprimer carrément. Ensuite, vous allez dans le dossier Scoreboard, vous allez chercher le dossier England, donc la section Angleterre. Vous ouvrez le dossier England, EPL. Ce dossier-là aussi, vous allez le supprimer, Official Premier League, parce que le scoreboard en question, il bug. Non seulement il bug, mais il fait crasher le jeu, que ce soit en Ligue des Masters, même en mode match amical, il va faire crasher le jeu. Donc, je vous demande de le supprimer carrément. Une fois que c'est fait, vous revenez. Vous allez ouvrir l'archive ici, Map Compétition. Vous allez extraire tout ça. Vous remplacez tout ce qu'on vous demande de remplacer. Vous allez ouvrir le Map Compétition. Vous allez chercher la section England et supprimer cette ligne là. Donc la dernière ligne ici avec Official Premier League. Vu qu'on a supprimé le scoreboard, on va supprimer la ligne. Voilà, vous faites ça, vous enregistrez et c'est terminé. Maintenant vous allez revenir, vous allez ouvrir le dossier module. Le scoreboard X ici, vous pouvez le supprimer aussi. Ensuite vous retournez et là vous allez sélectionner les deux dossiers. Vous ouvrez le dossier de Football Life. Cider Addons et vous le collez ici. Donc là aussi on va attendre que l'extraction se termine. De toute façon, une fois que l'extraction est terminée, l'installation aussi est terminée. Donc on va lancer le jeu et puis on va tester le scoreboard.